Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth Plus, motherfuckers. Et aujourd'hui, on m'a lancé un défi. Dans les commentaires de l'épisode d'avant, on m'a lancé un défi, et un défi que j'avais déjà fait. J'ai déjà relevé, je sais plus si j'avais gagné d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, on va le refaire, c'est le défi des 10 items. C'est-à-dire que le nom il est assez simple à comprendre. C'est un run tout à fait normal, mais j'ai le droit à 10 items maximum. Donc pour ça, je vais prendre Isaac, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà l'acide de ce run. Ok. Alors évidemment, le D6 compte pas, j'imagine. Hein. Oula. On va quand même essayer d'avoir mieux. Ça vaut pas tellement le coup de le prendre, ça. Parce que si j'ai que 10 items, va falloir faire des choix, donc... Je sais pas, pour l'instant je préférerais plutôt un bon objet en fait, tout simplement, parce que c'est pas terrible ça. Je crois que c'est friendzone comme item. Enfin c'est une mouche qui me tourne autour quoi, clairement. Mais bon voilà quoi. Du coup c'est pas terrible comme début, donc j'ai rien là. Enfin j'ai les stats de base de Isaac. J'aimerais bien tuer cette putain de mouche de merde. Voilà. Ok, ça peut être pas mal. Sachant que c'est le premier étage, on peut peut-être utiliser les cœurs que j'ai. Est-ce que je tente un peu ça pour changer un peu, pour le faire? Pourquoi pas, franchement. Ouais, juste comme ça, deux fois peut-être. En fait. On va garder quand même des cœurs gris, parce que on va privilégier les deals hein, sur ce coup-là quand même. Il y a un rocher X. Voilà, donc j'ai droit à 10 items max. Je sais plus si dans les règles, le Polaroid ou le négatif comptait dans les 10. Je crois que j'avais dit que oui en plus. Hein. Donc, quelque part, ça fait un peu 9 items quand même. Mais bon. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas. J'en ai aucun, donc 0. Hein, parce que le D6 compte pas, on a dit. Hein. On a décrété tous ensemble. Hein. Oh, bon ça. Ok, parfait. Oh putain, c'est quoi cette salle? Ah merde! Ouais voilà, parfait. Allez. Crevez tous! Alors oui, bien sûr, je voudrais juste clarifier un truc, tant qu'à faire, tant que je vous ai là. J'ai dit qu'il y aurait du nouveau sur ma chaîne. Ça arrive, hein. J'ai pas abandonné l'idée, hein, vous inquiétez pas. Attendez encore un peu, parce que j'ai un plan derrière la tête. Et pour l'instant, c'est pas encore le moment de sortir cette nouvelle série. Voilà. Mais ça arrivera. Vous en faites pas. Voilà. Donc, toi, si tu pouvais crever. Hein, juste. Allez. Tu fais traîner l'étage en longueur et j'aime pas ça. Putain, non, sérieux. Crève! Oh là là! Allez! Voilà, enfin, putain. Tout ça pour ça en plus. Ah merde, c'est pas par là. Plus là, y'a rien. Faut remarquer si ça me donne une bombe ou une clé. Ça me va. Ou un cœur gris. Rien, d'accord. Bon. Je pense honnêtement que je vais aller reroll l'item room. Parce que je pense que l'objet du boss, peu importe ce que c'est, je vais le prendre. Donc, on va reroll ça. On va voir si c'est un bon truc. C'est un peu risqué quand même ça. Non, je vais pas le prendre ça. Parce que certes, c'est un super damage up, hein, ça j'en conviens très bien. Mais c'est un tears down et un shot speed down un peu trop risqué quoi. C'est le genre de truc qu'il faut pas prendre au début quoi. C'est comme guillotine, au début c'est la galère totale. Par contre, si tu le vois plus tard dans le run, c'est là qu'il faut le prendre. Et on est contre le Duke of Flies. Donc honnêtement, ça devrait bien se passer. Pas trop de soucis à se faire là. Déjà midlife, par contre il y a plein de mouches dans la salle. J'aurais aimé avoir une bombe juste pour le finir là comme ça. Allez, crevez tous! Bombe de trou du cul de sa race. Allez, le boss tue et mort, voilà, parfait. Et ça c'est fait. Ah, c'est pas le meilleur truc. Je sais même pas si je vais le prendre honnêtement.
Non, vous savez quoi? Ça, on peut s'en passer. Ouais. Ouais, on va s'en passer. On est toujours à zéro, donc hein, pas d'item encore. On est en mode puriste, là. Tss. Ok, non mais je relève le challenge. Putain, Curse of the Maze, ça m'arrange pas, par contre. On va quand même essayer d'aller là-dedans. Ah, ça peut valoir le coup, ça. Ça peut être très très bon, ça. Allez. Je veux la flamme. Voilà. Bon, des pièces, une rune. Une rune Gera. On va quand même prendre Gera. On va pas se faire chier. Alors, sachant que ça sera pas nécessairement pour avoir plus d'items. Chest, ce qu'on fait d'habitude avec Gera. Mais là, vu qu'on est en mode challenge, on va voir ce qu'on en fait. Parce que s'il y a un cœur gris, je peux le transformer en deux cœurs gris. Ça m'arrangerait bien aussi. Donc, ouais, on va voir. Déjà, on va... merde. On remarque que c'est pas trop mal, ça. On va péter ces merdes, hein. On va en prendre son temps. Quoique, on peut peut-être tenter le boss rush cette fois. Parce que ça fait longtemps, quand même. Même si, pour l'instant... Enfin, pour l'instant, on est assez large 2 en même temps. Non, mais pas, c'est Burning Basement 2, ça. Mais bon. Donc, pour l'instant, on est encore loin du boss rush. Mais ouais, il me faudra quand même des items à un moment. Bon, ça, c'est cool. Ok, l'item room est là. L'item room est là. Ah, je me rappelle même plus de la suite des paroles. Attends, il y a quoi? Il y a 3 épisodes qui sont comme ça? Je sais plus. Ah, mais... Pff. La salle est pas finie. Oups. C'est pas parce qu'ils bougent pas qu'ils sont pas là, eux. Ah. Toi, t'es mort. Voilà. Alors, la carte, c'est The Fool. Ça peut être utile. Ah, putain, merde. Forcément, la curse. Ah. Je suis sûr que ça aurait été un objet très utile dans cette salle, en plus. Oh la vache, ok. Ne pas se faire toucher bêtement, ce serait con, hein. On va quand même tenter de garder les cœurs gris. Parce que là, on veut le deal. Je pense que, honnêtement, on l'aura, le deal. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Putain de curse. Oh là là, je hais cette curse. Et cette curse me hait, donc... Putain. Je la déteste. Mais sur tellement, quoi. Est-ce que je peux avoir mon item? Parce que je perds des salles potentielles pour reroll. Oh là là, mais... Bordel de merde! Ah, enfin! Bon, vous savez quoi, on va le prendre, mais c'est vraiment parce qu'il me faut quelque chose. Donc on est à 1. Ghost Paper, donc ça fait que des fois je tire une flamme. Ce qui est relativement cool, hein. Oh putain. Ah, merde. Ah, ça m'a surpris. Alors ça m'a surpris, mais il y a quand même un rocher X ici, donc... Donc au final, c'était pas si grave. Oh putain, cette salle. Oh la vache, cette salle. Format, elle est pas super dangereuse, voilà. Voilà, Ghost Paper, ça fait ça, donc... C'est très très cool, hein. Honnêtement. Ça peut... Ça va vraiment aider, quoi. Je pense que c'est en fonction de la luck. J'en sais rien, en fait. Mais bon. Bah ça aussi, c'est un des premiers items que j'ai eu dans... AB+. Ah, j'ai pas mal de pièces. Je vais quand même aller faire un tour au shop, vous savez quoi. Même si cette salle est chiante à traverser. On va quand même aller voir. Des fois qu'il y a une batterie, on sait jamais. Alors, il y en a pas. Il y a la Box of Friends. Ça m'intéresse pas vraiment. Ah, je vais acheter la clé, honnêtement. Et on verra bien. Attends, si, il y a une batterie, il y a une batterie. On... peut reroll l'objet du boss, donc c'est peut-être intéressant. Faut voir. Sachant qu'on va avoir un deal, ça c'est sûr. Donc, ouais. J'ai l'impression que cette salle, elle marche pas comme prévu. Je sais pas, parce qu'ils tournent dans le même sens tous. Ok, Little Horn, si tu pouvais cramer en enfer, ça serait cool. Allez, une flamme là. Une flamme. Ah, voilà. Oh, elle était bien. Oh, qu'elle était bien celle-là. Waouh. Ah, il a pris cher sa race, là. Ok, très bien. Eh ben, il est presque mort. Il est mort. Ok, on va voir ce qu'on en fait de ça. Bon, ben on va le prendre, ça, hein, du coup. Du coup, là, on est très bien, d'un coup. Hein. Mob's Knife. Donc, ça fait 2. Non, je vais le reroll, ça.
Je vais le reroll. J'aurais peut-être dû prendre le HP up, mais bon. C'est pas si grave. C'est bien. Je veux dire, j'ai Mob's Knife maintenant, donc je m'en fous un peu de tout, hein. On va juste acheter cette batterie, histoire de pouvoir reroll. Voilà. Ouais, cette salle est tellement bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, écoute. Donc ça fait 3. Ok. 3 sur 10. Alors, peut-être que je me calme un peu, mais en même temps, Mob's Knife. Hein. Oh putain de merde, c'est pas possible cette curse. Bah tiens, en parlant de curse, on va aller dans le curse room. Contient un connard. Allez, si je peux avoir un deal. C'est pas un deal. C'est pas un deal non plus. Bon, pas génial. Pas très grave. Mais quand même. Toi meurs, toi aussi. Merde. Bon. Bon bah du coup ça va. C'est bien parce qu'on a des cœurs gris relativement souvent, donc très cool. Ghost Baby. Pour l'instant je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le prendre ça. Je pense pas du tout même en fait, donc on va peut-être le reroll. Ça c'est quoi? C'est la Hiérophante. Ah, j'aurais peut-être pu gérer. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement, on est très bien là, donc. Pas de soucis. Chaos Reborn. Je me demande ce que c'est que ça. Ah, merde. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît? Merci, dude. Il me faudra un peu plus de clés. Parce qu'une seule, c'est pas terrible quand même. J'ai pas dit un os dans ma gueule, j'ai dit une clé, putain. Je suis content de voir que Ghost Pepper marche toujours. C'est pas mal ça. Ça, c'est Walking on Sunshine. C'est pas terrible. Enfin, c'est ce genre de pilule que tu utilises une fois et que tu revois de toute façon plus. Ah merde, on peut reroll le Ghost Baby. On va le faire. On va le faire. En plus, c'est une grande salle là, donc ouais, pour le D6, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si on aura cette salle pour. Peut-être. Peut-être. Ça, ça devient My Reflection. Nope. Non, parce que de toute façon, j'ai déjà un truc qui revient, donc je m'en fous. Ok. Ouais, bon. Ça, c'est la bonne salle. Parfait, quoi. La salle où rien ne peut m'arriver. Juste pas que je tue ça comme une merde. Voilà. Et puis vous, bah... Voilà. C'est ce qu'on appelle tomber comme des mouches. Oh putain, et ça, ça s'appelle se faire toucher comme une merde. Voilà. Bon, pour l'instant, on s'en fout un peu. Hein. De toute façon, je suis tellement dans un bon run, là, j'en ai rien à foutre, quoi. Alors, ça, c'est encore une salle qui sert à rien. Putain, mais crevez. Ah putain, mais à chaque fois... Bon, ok, là j'ai pas fait gaffe. Non. Faudrait que j'arrête de me faire toucher quand même. Ah, on a vu le shop. Enfin, on n'y est pas allé, mais on l'a vu. Ok, donc le boss devrait être bêtement là. Ouais, voilà. Alors, par contre, ces araignées avec Mom's Knife, c'est un peu plus galère. Oh. Vous savez quoi, on va aller au boss d'abord. Putain, forcément. Ah, cette curse! C'est Bighorn, donc en plus ça va être la revanche totale, la vengeance des ténèbres. Allez, sors de ton trou, culé de merde, et t'es mort. Alors, pas de deal, Pigeon Boy, j'en veux pas. Le Slip de Mom non plus. On va le reroll en fait. Ça non plus, j'en veux pas. Donc, on est encore à 3. 3 parce que le D6 compte pas, hein. Enfin, au pire, pour l'instant, si vous voulez le compter, ça fait 4, hein, donc au pire, ça marche aussi, quoi. Ok. Alors, Caves 2, on va aller voir ça. Ça va pas valoir le coup, ça. Parce que même si je gagne des cœurs, je m'en fous, non? Ouais. Bon, ben... Au moins, on aura gagné ça.
et pas mal de pièces. Par contre, j'ai toujours qu'une seule clé. Donc pour l'instant, pour le shop, c'est plutôt non. Plutôt à la light and room, là. Oh putain, les araignées. Ok. C'est bon, c'est géré. Il reste plus rien dans la salle. Maintenant, j'ai deux clés. Hein. Bon, si j'ai une pièce de plus, à la rigueur, je veux bien aller au shop. Bon, bah, on va venir au shop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux que j'aille au shop. Ok, hein. Ouais, cette salle, elle est facile. Y'a rien à faire, une clé en plus. Tout est parfait. Ah merde, sauf ça. Cette flamme était géniale. Et par contre, je me fais encore trop toucher là. Enfin, c'est aussi parce que je joue comme une merde, hein. Ça, c'est, je veux bien l'admettre. Mais quand même, quoi. Allez, lève-toi, toi. C'est vrai que Mum's Knife, c'est tellement un avantage contre eux aussi. Parce que vu que tu la tires pas dessus, il se lève plus vite. Viens me tuer, lui, d'abord. Oh, la vache. Ah. Ok, ça va mieux. C'est bon. Pas facile. Alors ça, c'est encore des araignées de merde. Ces araignées murales à la con, je vous jure. Sun. Ouais. Alors, Secret Room est là, donc autant aller voir. La super, elle est... Ah non, ça révèle pas la super. Une merde. Formidable. Enfin, on va quand même le tuer, lui. Histoire d'avoir plus de chances de deal et des pièces, en plus. L'item room est juste à côté. Donc c'est parfait. Enfin, juste à côté de cette salle. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Yo, listen. Honnêtement, non. Ça, par contre, je veux bien, ouais. Donc ça fait 4. On a pris Midas Touch. On va jouer avec le fric dans cet épisode. Je pense, hein, du coup, puisque, bon, voilà. Voilà, maintenant, si je me fais toucher par un contact d'ennemi, bah... il mourra aussi. Enfin, tant que j'ai assez de pièces... Alors, qu'est-ce qu'il y a au shop? Au shop, il y a Spider Mode. Ah, je dois le prendre. Allez, je le prends. Ça fait 5. Et on va prendre ça aussi. Ah, j'aurais pu Gera, en fait. Bah, c'est pas super grave. Est-ce que je prends la batterie? Ouais. Puis avant... Est-ce qu'il va me dropper la Steam Sale dont j'avais besoin? Non, bon ça va. Parfait du coup. Ok, bon bah on va aller au boss. Hein. On va espérer un bon gros deal bien gras. Oh mais merde à chaque fois. Ah. Wow, ok. Alors attendez. 2 secondes, j'ai encore oublié Discord. Arrêtez de parler. merde. Ah voilà, ok. On est bon. Il y a une batterie là, donc c'est cool. Et puis ben, on va aller au boss. Le boss, c'est Gurdy. Pas de soucis. En théorie, ça devrait plutôt bien se passer. Même dans cette salle un peu chiante. Bah ben, voilà, c'est bon, il est mort. Alors qu'est-ce que tu me donnes, mec? Ça, le truc, c'est que peu importe l'item que c'est, en fait, je peux pas ne pas le prendre. C'est pute. Autant que ce soit ça, du coup, hein. Ouais. C'est parce que Speedball, je prends volontiers, y a pas de souci. Donc, j'en suis à combien, là, en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 items, quand même, hein, sur 10. Et on est à Caves. YOLO. Et on est à Necro 1, maintenant. Ok. Curse of the Blind. Ah ah, c'est pas terrible parce qu'on va avoir un deal. Enfin, en théorie, hein, je veux dire, il y a de grandes chances. Donc, ouais, donc c'est pas terrible. Ça fait bien chier, même d'ailleurs. Oh putain. Un peu comme cette salle. Oh la vache. Alors, c'est gentil de paralyser ce truc, mais ça sert à rien. Ah putain. J'avais dit qu'il y avait de grandes chances d'avoir un deal, hein. Cela, les chances sont minces d'un coup. Là. Juste à cause de cette salle de merde. Non, là, ça fait chier, clairement, quoi.
Ouais, look up, ouais. Génial. Ouh, encore un look up. Putain. C'est quoi ce sale d'un coup là? Bienvenue à Nécro, hein. Franchement. C'est tellement ça, quoi. Putain. Waouh, la vache. Il a spawné tout ça d'un coup, lui. Allez. Voilà. Oh, le couteau en diagonale dans ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah oui, du coup. Bah du coup, je vais pas le prendre, hein. Peu importe ce que c'est. Challenge, hein. Par contre, il va falloir que j'aille au shop acheter un Kyogre, là, parce que... Voire deux, en fait. Parce que là, il va peut-être falloir utiliser ce Gira dans un futur proche. La Secret Room peut pas être là. Bon, bah on va aller à gauche. Ah, je l'ai raté, putain. Ok, il reste plus que ça. Nickel. Toi, t'es mort. Toi aussi. Ok. Là, y a rien, d'accord. Secret Room, elle est pas là non plus. Ouh la salle chiante. Ouh la putain de salle chiante. Crève. Je sais pas trop si ça va m'être utile ça. Ce trinket fait en sorte que tu perds tes cœurs rouges en premier en fait. Ça se débloque avec Eve. Il me semble qu'il faut battre Delirium avec Eve pour avoir ça. Ça vaut vraiment pas le coup. Parce que c'est pas génial en fait, je vois pas trop l'intérêt à ce truc. Enfin, à part vider tes cœurs rouges si t'en as encore, mais je veux dire, si tu vides tes cœurs rouges, t'as pas le deal, donc... Donc pour mon gameplay à moi, je comprends pas. Oh, crève. Donnez-moi des cœurs noirs, les mecs. Ou des cartes. Ça peut aussi le faire. Alors, The Moon, Tower, Strength. Eh ben, c'est pas terrible tout ça, les mecs, hein. J'aimerais bien trouver... Ah bah le boss en fait, parce que... Ou non, le shop, le shop, le shop. C'est le shop qu'il me faut. Encore des putains de portails de merde. Non, ça on va pas l'ouvrir. Parce que je le sens pas. C'est un peu chaud les mecs. Putain. Ouais. Ça a l'air d'être par là en tout cas, hein. Il y a plein de chemins qui reviennent, qui se rejoignent, qui font des trucs et des machins. Ok, ça c'est fait. On a un coffre. Il faudrait tellement un cœur gris, quelque chose. On va voir celui-là, le coffre. Troll bomb, mais oui. Ah merde. Troll bomb, mais oui. Bah tiens, descends. Voilà. Tu m'as fait gagner une clé sur le coup. Ok. Bon, bah, on va continuer par là peut-être. Ouh. Intéressant. On va essayer de pas faire le con dans cette salle. Alors c'est bien les batteries, mais là ça sert à rien en fait. C'est pas dans cet étage là qu'il me fallait cette salle. Ah, donnez-moi des cartes. Bon, cette clé on va dire fuck. Non, quoi que, attends, je le veux ça. J'ai des bombes donc on va en profiter. Stars. Ah. Bon, ça sert à rien. Ok. Je veux aussi celui-là de sac. Voilà, parfait. Oh. Hiérophante, c'est génial. Alors, Two of Clubs. Ok, très bien. Hiérophante. Et puis Gira, parce que là, il n'y a pas à chier. Je veux mes cœurs gris. Et deux fois The Stars, bah autant en prendre une. Ok, il me faut le shop. Oh putain, et ça c'est le boss. Masque à la con. Ça aussi c'est Nécro, hein. Forcément, putain. Ok. Je veux quand même le shop. Ah merde, il est pas là. Wow. Ok, nickel. Il est où le shop? Ah ouais, d'accord. Je comprends, je comprends. Parce qu'en plus on a plein de batteries là. On peut se permettre de faire plein de trucs. Ah mais non, merde, je suis con, il y a une Curse of the Blind. Forcément. Bon, bah en fait, non, hein. Nécro, pareil. Oh putain. Non, merde, je suis bloqué. Ouf. On va péter des crânes aussi, hein. Parce que les crânes, c'est le bien. Justice, bien.
Enfin, c'est très mineur comme bonus, ça, mais... Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cœur gris. Je vais rien prendre, hein. Je peux pas me permettre de prendre un truc sans savoir ce que c'est, quoi. Dans ce challenge à la con... Enfin, désolé, le challenge, il est bien, mais... C'est-à-dire, c'est juste la curse qui tombe au mauvais moment encore, quoi. Donc, comme à chaque fois. Bon, bah, on va laisser se faire le boss, tranquillou. On est toujours à 6 items. Bon. Le boss, c'est Sister's Vice. Ça devrait aller, honnêtement, parce qu'avec Mum's Knife, il n'y a rien de difficile. Sauf quand ça fait ça, évidemment. Mais bon. Voilà, il y en a une qui est morte. L'autre, elle est en train de rouler sur place. Ok, elle est morte. Alors, j'ai un deal. On va aller voir d'abord ça. Est-ce que je le tente? Ah là, il y a une batterie en plus. Limite, j'ai envie de... En fait, j'ai envie de reroll jusqu'à ce que ça devienne un deal à deux cœurs. Bon. Oh putain, bit réel. Bon bah ça fait 7, et celui-là je le voulais vraiment pas, quoi, parce que c'est pas terrible. Et puis fuck, on va dire 8. Oh putain! Ah! Je suis sûr que tous les autres items étaient super bons. Ah, ça fait chier, quoi. Ok, pas de curse, on va en profiter. Ouh! Tout plein de pièces. Bon bah le shop est viable hein, d'un coup. On est à combien d'ailleurs? Merde non, on est à combien? On est à 23 minutes. Putain, je suis encore lent, hein. Décidément j'arrive pas à aller au boss rush en ce moment. Ok, bon bah on va faire péter ça du coup. I'm excited, très mauvais, health up, c'est pas mal. Bad trip, putain merde. Et power pill, ok. Vraiment pas top. Ou comment dire, nous sommes dans la merde. Ok. Le reste de la salle, ça devrait aller. Je veux ce coffre, mais je veux aussi ce crâne. J'aimerais bien quand même ce coffre. Ah putain. Bon, ça l'a ouvert. Bon, remarque. Ça m'a rendu ma bombe. C'est déjà pas mal. Crevez tous, bande de cons. J'ai pas besoin de vous dans ma vie. Barrez-vous. Voilà. Ok. Curse Room, non, parce que je le sens pas tellement là. Par contre, il va me falloir des items à un moment, les mecs. Sans déconner, quoi. Genre Aquarius, c'est pas vraiment assez, quoi. Donc on va le reroll. C'est ça que je veux dire. Alors, toi, t'es mort. Toi, pareil. Toi aussi. Et donc, toi... Ah, toi, non. Bon, bah, ok. Toi, t'es mort. Voilà. On va juste voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, rien d'intéressant. Même la clé m'intéresse pas tellement. On va reroll Aquarius. Ça devient la Celtic Cross. C'est pas génial. Je veux du concret, là. Genre, elles sont où toutes les batteries de tout à l'heure, là, hein? Ça se trouve, au shop, il y avait deux items magnifiques. Power pill. Bon, par contre, il y a une batterie là, donc c'est pas si mal. Allez, donnez-moi... des cœurs gris, en fait. Cursed Eye. Alors, non. Cursed Room? Secret Room? Oui. Pas utile, certes. Ouais bah c'est une power pill ça du coup. Bon c'est pas terrible tout ça, il me faudrait vraiment des... Il me faudrait de la chance un peu là, parce qu'on est à 8 items là hein. Ouais, 8 en plus du D6 qui ne compte définitivement pas hein, donc. Quoique non, il va certainement falloir aller par là. Pour trouver quelque chose. C'est un peu chaud. Ok. Putain. Pourquoi je tombe aussi que sur les ennemis chiants? Ah bien, merci Spider Mode, pour une fois, t'étais plutôt utile. Le jeu, tu peux pas être un peu plus gentil avec moi, s'il te plaît? Bah on y est déjà allé.
Ouais, pour le coup, une power pill, ça vaut un peu plus quand même. Il y a le shop. Il faut y aller. J'ai pas le choix. Évidemment, hein, c'est grid. Non, mais quand je vous dis que j'ai pas de chance, c'est pas faux, quoi. Puis on va pas la prendre, la Steam Sale, du coup, parce que ça servirait à rien et ça me gâcherait un des précieux items que je dois prendre. Il me reste que deux items à prendre. C'est quoi ce challenge? Il faut battre Mom, c'est ça, hein. Parce que pour l'instant, je vais pas beaucoup plus loin, là. Faudrait vraiment un deal genre exceptionnel, quoi. Enfin, même exceptionnel, je veux dire, même un The Pact, ça devrait suffire. Ou juste des cœurs gris, un truc pour me donner des cœurs gris. Hein. Franchement, une Satanic Bible, ça sauve le run. Hein. Par contre, putain, mec, il faudrait que tu crèves. Mec! Voilà! Je peux aller reroll l'autre truc. On va aller faire ça, ouais. On va carrément... Hein. Putain, la vache. Quoi qu'attends, non, on va péter ses crânes. Je sais pas si j'ai les deux. J'ai les deux. Hiérophante, oui. Ok, ça, c'est cool. Toi, tu dégages. Toi aussi. Allez, que ça me donne le truc qui sauve le run. Satanic Bible. C'était très bien comme choix. Book of Revelations. Pas ça en tout cas, non. Pas Little Loki, non. Ça c'est sûr. Il y avait une batterie quelque part, non? Ah merde, il y avait pas une batterie hein. J'ai l'impression que j'ai raté une batterie. Je sais plus. Ou alors je l'avais prise en fait. Genre là-dedans. Non. Non, bah je sais pas, écoutez. Ça se trouve, je suis en train de la rater quand même, une grosse merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je survis dans cette salle, y a pas de soucis. C'est facile. Enfin, après, c'est vrai que le run, j'ai quand même Mom's Knife, quoi. C'est vrai que ça m'a bien sauvé quand même. Parce que si j'avais pas eu ça, on serait grave dans la merde. Ah, ou alors elle est là-dedans, là. Elle est là-bas, la batterie, peut-être. Mais il me semble vraiment qu'il y avait une batterie quelque part. Peut-être que je deviens dingue. Enfin, encore plus. Ah non, il y avait ça là. Ouais, ouais, non, bah, je suis dingue. Oh, wow. Ok. Allez, un cœur noir, putain. C'est peut-être mieux qu'un cœur noir. Genre, t'es pas mort. C'est un Two of Diamonds. Pas ce que je voulais. Après, s'il y a Money Gal Power, ça serait un bon item à prendre. Ça, c'est pas la bonne salle à traverser. Fou la vache. Ok. Bon, au moins, on a trouvé le boss. Du coup, je pense qu'on va y aller. Même si c'est Debs 2. On va juste péter ses crânes, si là, il y en a plein. Ah. Ok, on a tout vu en plus. Bon, bah... Je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen de faire une salle en plus. Histoire d'avoir une charge pour le dé si jamais on a un deal. Ah, du coup, faut retraverser cette salle. En fait, dans les deux cas, il y a une salle chiante à traverser. Fait chier. Ok, faites que dans cette salle, il y a des ennemis. Bon, il n'y a pas d'ennemis, mais ça marche aussi. Juste faire très très gaffe en traversant. Ok. Donc, ouais, bah parfait. Maintenant, on va pouvoir aller se faire le boss. Et la cyclatrome, elle est pas là non plus. Ah, elle devait être tout au bout, en fait. Bon, remarque, elle est moins chiante à traverser, celle-là. Quand même, mine de rien. Ouais, elle doit être au-dessus de la salle, près du boss. Ouais, elle doit être là. Et elle est pas là, parce qu'en fait, on l'a déjà vue. Je suis un gros con. Allez, go. Salut Mom. C'est Mom Rouge. Elle a ses règles. C'est dégueulasse. Allez, prends ça. Prends ton propre couteau dans la gueule. Enfin, dans l'œil. Non. Oui. Et t'es morte. Alors, on va convenir tout de suite que le Polaroid ne compte pas. Hein.
Waouh. Alors j'en suis à 8. Donc on va dire que si je prends ça, ça fait 9. Et maintenant je fais quoi? Je le prends, je reroll ce truc. C'est quand même bien succubus. Non, on va le prendre, franchement voilà, ça fait 10. Donc voilà mon run. Maintenant j'ai plus le droit de prendre des items. Ça veut dire que j'aurai pas de damage up de tout le truc. J'ai des dégâts de base, mais avec Mom's Knife. Donc quand même. Et puis non, en fait j'ai eu un damage up parce que j'ai War of Babylon qui est actif maintenant. Donc voilà. Voilà, voilà, j'ai plus le droit aux items maintenant. Et maintenant va falloir aller au bout. Hein. Dégage. Ouais, je pense que Succubus c'était le bon choix. J'ai plus de bombes par contre, donc ouais. Ça c'est peut-être pas génial. D'un côté, c'est pas si grave. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais. Bah des bombes. M'en fallait, donc c'est bien. Et mec, t'es totalement mort. Fistulol. Et honnêtement, la cartouche, ça sera plus utile que le counterfeit penny. Parce que de toute façon, j'ai déjà 100 pièces, donc... Enfin, 99, bon, c'est pareil. J'ai un dollar. Et en plus, c'est vrai que j'ai Midas Touch, donc si je touche un ennemi au contact, il prend cher sa race, quoi. Ok. On va y arriver, peut-être. Peut-être pas. Ah, je vais juste prendre ça pour cette salle. Voilà, voilà. Ensuite... d'accord. Non, 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 non. Bon, bah, je peux pas le prendre. Donc, tant pis. C'est pas grave. Ensuite, bah, en fait, ça doit être par là, du coup. Oh, la salle de merde! Pourquoi les idiots étaient toujours contre moi? Pas juste. Ok, bon. Ah, j'aurais peut-être pu power pile, en fait. Ouais. Ouais, j'ai été combat, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Parce que fuck cette salle. Tous. J'ai pas réussi à tous les tuer et je me suis fait toucher. Fantastique. Bon, est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, connard. Voilà. C'est encore pas un super run. Hein. C'est bizarre parce qu'il commençait super bien. Mais c'est à cause du challenge en fait. J'ai skippé tellement d'items. Du coup, j'ai pas pu faire grand-chose quand même. Par contre, ça c'est un rocher X. Sauve-moi la vie! Ok, c'est bien. C'est super, c'est ce que je veux. Ok, alors par là. Certainement la suite. Parfait, parfait, parfait. Oh, oh la diagonale! Bon, les batteries. Bah, les batteries servent plus à rien du tout parce que mon D6 non plus en fait. Hein. Je peux plus prendre d'items, donc Oh, merde, ça c'est pas bon. Putain, c'est pas bon du tout, là, merde. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, de toute façon, même si c'était un HP up, j'aurais pas pu le prendre. C'est des réflexes qui restent comme ça. Ah, putain, je vole pas non plus. Voilà, crève. Putain, on est dans la merde, les mecs. Aussi cette putain de Curse of the Blind qui a tué le run quoi. Lève-toi, toi. Toi aussi, voilà. Des cœurs gris, des hiérophantes. Faites pleuvoir, putain. Ok, alors ça, ça peut être très très cool. Si tu me donnes des bons trucs. Parce que je veux bien perdre quelques pièces, j'en ai rien à foutre. Le pire, c'est que ça me fait chier de le prendre aussi, parce que je suis bloqué comme une merde, là. Ouais, j'ai pas pu ne pas le prendre, donc désolé. Hein. Il compte pas, celui-là. Mais le pire, c'est que ça me fait chier de l'avoir, parce que du coup, j'ai plus War of Babylon. D'un côté, s'il y a un deal, ça m'arrange.
Et non, ça marche pas, je suis con. Ah putain. Et j'ai plus de Polaroid non plus, du coup. Oh là là. Il y a Utero, quoi. Putain, ça m'a ruiné, quoi. Je veux dire, j'étais plutôt bien au début de l'étage. Et j'ai fait de la merde tout le long. Bon, bah, le boss. Oh putain. Oh, non, en plus, c'est lui. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'ai fait ce challenge à la con? Oh là là. Alors, remarque, ouais, attaquez-vous entre vous un peu. Ouais, mais bah, je suis mort du coup. Voyez où ça mène vos idées à la con, hein? Non, bon, bah, bon, bah, j'ai échoué, voilà, hein, c'est. Ça arrive, mais en même temps. Ah, j'ai peut-être fait des. J'ai fait des mauvais choix, oui, bah, oui, c'est sûr. Cette Curse of the Blind a tué mon run, c'est hallucinant, quoi. J'aurais pu faire tellement de bons trucs et j'ai fait que des mauvais trucs. J'ai pris deux deals qui étaient pourris. Que j'aurais jamais pris, hein, en temps normal. Ah, il y avait quoi d'autre Ouais, en fait, il n'y avait pas des super bons items non plus dans le run. Ouais, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Voilà. En tout cas, j'ai tenté le challenge et j'ai échoué. Je sais même plus si le premier que j'avais fait, je l'avais réussi ou pas. Je sais plus. Bon, enfin, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et le prochain épisode, on fera pas de challenge. On fera un run normal. Donc, salut à tous, portez-vous bien. Et joyeux Noël !